Alors, Luciana was asking, quand est-ce qu'on utilise il est ou c'est? You can use both, and this is the point, Luciana. You can use both, but then the structure is different. So, and in most of the cases, that's the reason why I wanted to make the point that if you go for il est, and if you define a person, in that case, don't put the article, because this is the mistake that people tend to make. So whether you go for il, or then you can go for c'est, the two structures are equivalent in terms of meaning and in terms of politeness. It's not really, there is no difference there. But then remember that the rule and the structure is different. This is the point. Allez, on y va, Désiré, le jouet, grand classique, Désiré, effectivement. Un peu d'histoire, so let's do a little bit of history, and in that case, we'll see le siège de Paris. Le siège de Paris, look at that, because it's not really common to see des dracars near Paris, and that's it, so des dracars sur la Seine, c'est possible. Let's start with the first thing. Le siège de Paris par les Vikings, qui a eu lieu en 845, est le premier siège viking de la future capitale de France. Le siège de Paris par les Vikings, qui a eu lieu en 845, et le premier siège viking de la future capitale de France. Allez-y, write the missing words, please. Alors, let's have a look at the things that were missing. The first one is lieu. Now remember, avoir lieu to take place. So lieu should definitely be written L-I-E-U. Lieu. Then the second thing is premier. Premier is the adjective connected to siège. So it should be in the masculine form, P-R-E-M-I-E-R. Premier, le premier siège. And then capital, in that case we're talking about the city, so remember that it should be written with E in the end. It's a common mistake, but it seems that everybody has been writing it almost properly. There is somebody, I don't mention the name, but I saw the mistake. So capital should be written C-A-P-I-T-A-L. La capitale. Let's have a look at numéro 2. En mai 841, le viking danois Ocher, trouvant la Seine libre, s'avance jusqu'à Rouen, qu'il prend le 12 mai, puis qu'il pille. En mai 841, le viking danois Ocher, trouvant la Seine libre, s'avance jusqu'à Rouen, qu'il prend le 12 mai, puis qu'il pille. Please write the missing words. Alors, je regarde, I'm looking at your things, and it's quite good, in fact. Be careful for the first one, because Danois should definitely be in the masculine form here. And so, remember, once again, it's used here as an adjective. So it means that we don't put any capital letter, everything should be in small letter, D-A-N-O-I-S. Libre. Libre, same thing here. Well, it's an adjective. This adjective, remember, will be exactly the same whether it's masculine or feminine. In that situation, Seine
It's feminine, la scène, but you will write it the same way as if it was a masculine noun. L-I-B-R-E, libre. And after that, the verb is prendre. Prendre, remember, verb from the third group. In that case, you will conjugate it in the third person of the singular, il, P-R-E. N-D, final D, not pronounced. Numéro 3, let's continue. Par la suite, les incursions des Vikings deviennent régulières et les envahisseurs poussent rapidement plus loin à l'intérieur des terres et des fleuves. Par la suite, les incursions des Vikings deviennent régulières et les envahisseurs poussent rapidement plus loin à l'intérieur des terres et des fleuves. Allez-y, write the missing words, please. Alors, je regarde, I'm looking at your things, it's quite good in fact. So the first thing is a verb, the verb is devenir. As you can see here, we should conjugate devenir in the present and in the third person of the plural. So devienne is the form that you will have to write, D-E-V-I-E, N-N, put two, E-N-T, devienne. And after that, it's an adverb and the adverb is rapidement. R-A-P-I-D-E-M-E-N-T. So remember, this type of adverb, in fact, it's based on the adjective. The adjective is rapide, so masculine. Then normally the way it goes, you put the feminine form, rapide. In that case, it's the same. You just add M-E-N-T in the end to get your adverb. So rapide, masculine, rapide, feminine, and rapidement is the adverb. And the last one is fleuve, remember. So for your information, fleuve, it's a masculine noun, un fleuve. In that situation, it should be plural, so you will put S in the end, F-L-E-U-V-E. Yes. Allez, let's continue with this interesting story. En 845, Ragnar Lodbrok était à la recherche de nouvelles terres à conquérir et de nouveaux trésors à acquérir. En 845, Ragnar Lodbrok était à la recherche de nouvelles terres à conquérir et de nouveaux trésors à acquérir. Please write the missing words. Alors, let's have a look at your forms, and it's quite good, in fact. So the first thing that we're looking for is the verb être. Être should be here in the imparfait tense, d'accord? So here it should be in the third person of this imparfait tense. And the third person of the imparfait ends with A-I-T, so il était, accent aigu, T-A-I-T. After that, we're talking about an adjective. The adjective is nouvelle. So the interesting thing that you need to remember is the fact that terre is a feminine noun. But as you can see here, you can see that at the end you've got your S. So clearly it's feminine plural.
So now we've got the adjective. The adjective, the basic form, is nouveau, remember. Nouveau, masculine form. But we want the feminine form, nouvelle. N-O-U-V-E-L-L-E. And because I told you that it's in the plural, we'll just add this S in the end. Nouvelle, N-O-U-V-E-L-L-E-S. And finally, trésor, for your information, trésor is a masculine noun. Un trésor, and you write it, T-R-E, accent aigu, S-O-R-S. Trésor, that's the name of the cereals that Nicolas likes a lot. Allez, numéro 5. En mars, Ragnar Lodbrok a décidé à poursuivre ses raids, remonte le long de la Seine pour arriver à Paris. En mars, Ragnar Lodbrok, décidé à poursuivre ses raids, remonte le long de la Seine pour arriver à Paris. Allez-y. Alors Victoria Posé, c'est de même que dans la série. J'ai pas regardé la série. On m'avait dit oui, c'est sympathique. Peut-être que je devrais essayer. So now we're looking for three things. The first one is Mars. Remember, same thing here in French, and we don't put the capital letter for the month. So you will write it M-A-R-S. En mars. After that, it's le long. Long, long, long. Remember that you don't pronounce it, but G should definitely be in the end of your noun. L-O-N-G. Le long. And the last thing, it's arrivé. Arrivé should definitely be in the infinitive form. A-R-R-I-V-E-R. Arrivé. Allez, let's continue with number 6. Numéro 6. Après avoir reçu une rançon de 7000 livres d'argent, Ragnar laisse Paris et rentre au Danemark. Après avoir reçu une rançon de 7000 livres d'argent, Ragnar laisse Paris et rentre au Danemark. Allez-y, s'il vous plaît, write the missing words. Allez, three things again. The first one, après, well, you're writing quite, yeah, I mean, it's quite well written, no problem. So if you've got the accent, remember that it's accent grave. So A-P-R-E, accent grave, S. After that, the verb is laisser, regular verb. In that case, you just put L-A-I-S-S. So it should be the third person of the singular. And then once again, the verb rentrer, same thing here, third person of the singular. So it's rentre, R-E-N-T-R-E. Il rentre au Danemark. Voilà la boisson. Ah mais c'est une boisson caféinée, hein, ça n'est pas... C'est une boisson très raisonnable, sans sucre. Merci beaucoup, thank you very much. Alors, on continue avec notre exercice. Comment traduiriez-vous ? Ça, on le fait en général à un niveau débutant, mais on va continuer avec le premier. Ce sera uniquement dans cet exercice des
adverbes. D'accord ? Uniquement des adverbes. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà, 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 voilà. Nous avons réglé cette formalité. 100 likes, c'était le minimum. Ouais. Alors effectivement, la traduction en français, ce sera rarement, nous sommes d'accord, que ces adverbes sont construits à la base sur les adjectifs. L'adjectif, c'est rare. Normalement, nous devons utiliser le féminin. C'est la même forme, rare. Et nous ajoutons « ment », rarement. D'accord ? Allez, on continue avec le deuxième. Allez-y. Rihanna, j'ai déjà chanté un petit peu. J'avais chanté, je peux chanter la la la, mais on va voir. Alors effectivement, faites attention avec cette catégorie d'adverbes, puisque ce sont des adverbes qui, comme vous le voyez, sont basés sur des adjectifs qui se terminent en I, E, N, alors là c'est T, donc patient, féminin patiente, mais après on va changer, on va l'écrire E, M, M, E, N, T. Et alors faites très très attention, parce que je vais vous le mettre comme ça, j'espère que ça va marcher, et bien sûr ça ne marche pas, je le mets en rouge, regardez. Ouais, et donc là, phonétiquement, et ça c'est très important, vous allez le prononcer le E comme un A. Et ça c'est fondamental, d'accord ? Donc le E va être prononcé comme un A. Donc vous allez prononcer cet adverbe patiemment. Patiemment. D'accord ? Ça, c'est la particularité de ces adverbes-là. Donc, patiemment, voilà. Le troisième, regardons ensemble le troisième. Eh bien, voici comment est-ce que vous pourriez traduire cet adverbe « quickly » en français. Alors, Yulia qui nous quitte, bonne soirée Yulia et à demain peut-être. Ouais, alors là j'en accepte deux, effectivement, j'en accepte deux. Alors le premier qui est vraiment un adverbe de manière, c'est-à-dire qui se termine en « ment ». Rapidement, qui est basé sur l'adjectif rapide. Rapide masculin, rapide féminin, même forme. Vous ajoutez ment, rapidement. L'autre possibilité, c'est l'adverbe vite, qui est beaucoup plus court. Mais les deux peuvent être utilisés, ben, finalement, de la même façon. Allez, numéro 4, et c'est « slowly ». Comment est-ce que vous pourriez dire ça en français ?
Alors, je regarde, je crois que c'est Tenzin qui est en première position, mais il manque quelque chose. Enoch, c'est pareil, c'est pas vraiment parfait. Sherilyn, incroyable. Linda, juste après. Bickert, c'est bien. Hillary, très bien. Regardons ensemble. Donc, l'adjectif, hein, c'est lent, L-E-N-T, masculin. Féminin, lente, L-E-N-T-E. Ça, c'est votre base. Et vous rajoutez ment, lentement. D'accord ? Ça, c'est notre adverbe, lentement. Allez, numéro 5, kindly. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français ? Chrismo, pourquoi pas doucement? Ça dépend du contexte, Chrismo. C'est-à-dire que la première traduction serait clairement lentement, puisque c'est le contraire de rapidement. Doucement, ça dépend du contexte. Ça peut être une question d'intensité, c'est variable. Mais la première traduction directe, ce serait quand même lentement. Alors, kindly, eh bien, c'est gentiment. Regardons ensemble. Oui, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Victoria Jacques, attention, gentil, c'est l'adjectif. D'accord ? Ici, on recherche des adverbes, c'est-à-dire que vous allez connecter à des verbes. Hein. Victoria Posse, oui, non, c'est bien, effectivement. Faites attention, Yann Arte, gentiment, hein, G-E-N-T-I-M-E-N-T. Chrismo, sympament n'existe pas. mais il faut contacter, on va faire une liste. La liste que l'on va transmettre à l'Académie française, mais sympament n'existe pas encore. Allez, numéro 6, terribly. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français ? Alors, je regarde. Ink Thinks, oui, en première position. Alors, personnellement, Ink Thinks, dans ce type d'exercice, j'aime bien essayer de coller au maximum. Après, tout est question de contexte. Et bien sûr qu'on pourrait imaginer que horriblement pourrait, dans une certaine situation, être une bonne traduction. Ici, l'idée, c'est de rester un petit peu le plus proche de la version anglaise. Terrible existe en français comme adjectif. Vous avez la même forme au féminin, terrible. Vous rajoutez « ment » et vous obtenez tout simplement « terriblement ». Allez, on continue avec le numéro 7. Numéro 7, « especially », comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français ? Alors, Sherilyn nous propose notamment, oui, c'est même chose, hein, Tenzin, ça dépend un petit peu du contexte, Hillary aussi. Especially, on pourrait rester très proche et proposer spécial. Spécialement. Notamment, bien sûr, dans certaines situations, on pourrait l'utiliser également. D'accord ? Allez, on continue avec le numéro 8. Le numéro 8, eh bien, c'est... voilà. Qu'est-ce que c'est en français ?
Alors, c'est Stéphanie. Stéphanie est en première position. Bravo, bravo, avec un bel accent. Donc, effectivement, particulier, particulière, particulièrement. Là, c'est bien. Pas de problème, je regarde. Annabelle, c'est très bien écrit. Cherylyn aussi. Hillary, faites attention, Hillary, c'était particulier, particulière. Hein. L-I-E-R. Et après, vous continuez particulièrement. Allez, le numéro 9, Sam Louis. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à cliquer et participer à l'exercice. Nous faisons un exercice de traduction d'adverbes. Hein. C'est uniquement des adverbes, d'accord? Allez-y, s'il vous plaît, traduisez-moi « strangely ». Alors, Cherylyn est la première, effectivement. Dans ces cas-là, on essaye, hein, d'accord, de rester le plus proche de la version anglaise. Alors, étrangement, serait la première traduction. Omar nous propose bizarrement. Oui, c'est tout à fait possible. Inkthings va vers bizarrement aussi. Alors, étrangement, bizarrement, sont les deux options que nous aurons ici. Et puis, on va finir avec le numéro 10. Le numéro 10, eh bien, le voici. Admirably, comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Allez-y. Alors, regardez, là, c'est la même chose. Hein. On essaye de rester le plus proche possible de la version anglaise qu'on vous propose. Eh bien, l'adjectif « admirable » existe, hein, quelque chose que vous pouvez admirer. Admirable, féminin, c'est la même forme. Admirable, vous rajoutez « ment », admirablement, et vous obtenez, eh bien, votre adverbe. Ink thinks, oh, c'est facile, c'est la même chose. Bah oui. Parfois, il ne faut pas chercher la complication. Allez, la dictée de nombres, as you know. I mean, we've been skipping this exercise a few times lately. Ah yeah, because we're focused on the pronunciation. So, allez, la dictée de nombres, it's a simple one. Huh? It's a simple one. So, the concept, I mean by that. So, I will read it twice. Maybe not the first one. The first one, I will read it only once because it's one digit. D'accord? So, and of course, you need to write it. It's quite simple. Attention, attention. 2. Please write it. Voilà, d'accord, donc ça c'est clair, hein? So let's go there, it's quite simple. Numéro 2, we'll have two digits in that case, and I will read it, well, only once, I guess. Attention, 68. Thank you.
Stéphanie, John is writing, attention. Is there something behind me, Stéphanie? It's scary, because, I mean, we've been having some interesting situations before, so if there is, someone behind me, you need to tell me, yeah? D'accord, so in that case, 68, well, you've been writing it quite well. Be careful, Stéphanie, it was not 72, but it's quite close, in fact. Don't worry about that. We will repeat, we will make, because you can see that the others, they've been there for quite a long time. So now they're extremely good at that because we've been practicing a lot. Regardez, numéro 3. So numéro 3 will have 3 digits and it will be exactly the same thing. I will read it 2 times, d'accord? 731. 731. Please write it. Non, Sherilyn, don't. Est-ce qu'il y a un kangourou? Mais non! Après, j'ai peur. I will be so scared. Don't go there. Well, then the only kangaroo would be Nicolas with a costume, and we don't have the kangaroo costume, so I guess it's not even possible. Allez, let's have a look at the number. So it was 731, so 731. 731. Let's continue with the number 4. Number 4, well, we'll have 4 digits. I will read it twice, d'accord? Be careful. 8402. 8402. Allez, try to write it. Alors oui, c'est très très bien, it's really good in fact. Félicitations, so 8402, 8402, so 8400, and then we finish with 2, 8402. Allez, let's be brave, let's continue. 5, on y va. It's starting to get more and more difficult, but I will read it twice. 71489. 71489. Try to write the number. Alors, let's have a look at your numbers and the number. I mean, it seems to be quite good, in fact. Hein? So, 71489. So, 71, 71. 71,071,000. And after that, 400, 400. 89, 89. 71,489. Neuf. Let's continue, and you might hate me, but still, I am doing my job. Yes, 6 digits. I will read it twice. 381,038. 381,000.
38. Write it, please. Alors, let's have a look. Oh, Lena, you are the worst. Thank you very much, Lena. It was really nice to read that from you. I hope you will have a great day, Lena. Alors, let's have a look at the numbers now. In that case, it's 381, and then obviously, 1000. 381. 1000. And then after that, we had 38 in the end. D'accord? So you combine the two things. 381 038. Allez, let's continue. I'm always surprised by people. I mean, humanity will never, ever stop to surprise me. But it's okay. Let's go for the last one. So the last one is obviously a bit more difficult because we are reaching and it will be with the million. Attention, I will read it twice. 3 millions 908 mille 261. 3 908 261. Allez-y, please write the thing. Alors, let's have a look at your things. So the first part is in fact quite simple because it's 3 millions. So we agree that it's 3. After that, 908. 908. 908 mille. And the last part, it's 261. 261. Let's go for the full thing one more time. 3 908 261. And Fiona is... ah yeah, Fiona, you're looking at my orchidée there, huh? Eh oui, eh oui. Allez, la recette du jour. La recette du jour, et celle-là, j'espère qu'elle va vous plaire. Regardez, regardez ça. Des chaussons à l'artichaut et aux chèvres. Et c'est pas difficile à faire. C'est pas difficile à faire. Chaussons à l'artichaut et aux chèvres. Allez, on attaque avec les ingrédients. Vous voyez les ingrédients ? Une pâte feuilletée, pas besoin de la préparer, on l'achète toute prête, c'est plus rapide. 6 fonds d'artichaut, en général c'est dans un bocal, vous avez 6 fonds d'artichaut. 3 crottins de chèvre, si vous avez des crottins de chèvre, ou alors une bûchette, vous savez, de chèvre découpée ou pas, c'est vous qui vous pouvez la découper. Et 2 jaunes d'œufs. Donc clairement, pas beaucoup d'ingrédients, ça va être très facile et délicieux. Allez, on attaque avec la première chose. Première chose, préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. Préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6. On y va. Thank you.
Alors bon, comme d'habitude, trois choses à trouver, comme c'était assez court, hein, j'ai pris les trois premières. On est d'accord, hein, nos recettes, pour l'instant, elles sont toujours à l'infinitif, parce qu'à mon avis, c'est la meilleure méthode pour voir, visualiser des verbes à la forme infinitive et s'en souvenir. Préchauffer, c'est notre premier mot, PRE, accent aigu, CHAUFFER. Verbe du premier groupe, on l'avait déjà vu celui-là. Le, c'est l'article, LE, et four, bien sûr, FOUR. On attaque avec la deuxième chose. Allez, égoutter les fonds d'artichaut, puis les essuyer avec une feuille de papier absorbant. Couper les crottins en deux horizontalement. Égoutter les fonds d'artichaut, puis les essuyer avec une feuille de papier absorbant. Couper les crottins en deux horizontalement. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble quatre choses là pour cette deuxième partie. Fonds doit être au pluriel, hein, FONDS. Les fonds. Alors pour votre information, fonds, c'est un mot qui est masculin. Un fond, le fond, ici, c'est au pluriel. Ensuite, verbe infinitif, hein, bien sûr, comme d'habitude. Essuyer, ESSUYER. Ensuite, c'est absorbant. Absorbant doit être au masculin parce qu'il est lié à papier. Papier, c'est masculin. Absorbant sera au masculin. Si le mot était féminin, on aurait absorbante. D'accord? Ici, c'est au masculin. ABSORBANT. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est un adverbe. L'adverbe horizontalement. Hein, qui est basé bien sûr sur l'adjectif horizontal, forme masculine. Horizontal avec le E, forme féminine. Plus ment, et vous avez l'adverbe de manière horizontalement. 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 Allez, troisième étape, attention. Étaler la pâte feuilletée, puis la couper en 6 rectangles. Déposer sur chacun un fond d'artichaut et un demi-crottin de chèvre. Étaler la pâte feuilletée, puis la couper en 6 rectangles. Déposer sur chacun un fond d'artichaut et un demi-crottin de chèvre. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, si on regarde la première chose, c'est feuilleter. Feuilleter doit être ici au féminin, parce que pâte, c'est un mot féminin, donc notre adjectif feuilleter doit être au féminin. Feuilleter, vous l'écrivez F-E-U-I-L-L-E-T-E, accent aigu E.
Ensuite, c'est un substantif, c'est masculin, un rectangle. Ici, c'est au pluriel, vous l'écrivez rectangle. Et finalement, chèvre, hein, chèvre. Bon, alors, faites attention parce que normalement, quand on parle de l'animal, c'est une chèvre. Mais ici, quand on parle du fromage, on dit un chèvre. Donc ça, c'est pour votre information. Hein. Une chèvre, c'est l'animal. Un chèvre, un fromage de chèvre. Chèvre, on l'écrit C-H-E, accent grave, V-R-E. Allez, quatrième étape. Confectionner des chaussons et bien souder le pourtour en humectant les doigts. Confectionner des chaussons et bien souder le pourtour en humectant les doigts. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les trois choses. La première chose, c'est chausson. Même chose pour votre information. Là, c'est au pluriel, mais c'est un mot qui est masculin. Un chausson. Donc ici, au pluriel avec le S, C-H-A-U-S-S-O-N-S. Des chaussons. Ensuite, c'est un verbe. Le verbe, c'est souder. Hein, ici, on parle et bien sûr de cuisine. Hein, donc, c'est souder, S-O-U-D-E-R. Et puis, la dernière chose, c'est humectant. Humectant qui est effectivement le participe présent du verbe humecter. D'accord. Mais donc, ici, on l'utilise dans la forme gérondif, hein, puisque c'est en humectant. Humectant, H-U-M-E-C-T. A-N-T. Humectant, donc le verbe hein, humecter, participe présent, humectant, gérondif, en humectant. Ça, c'est tout simplement pour exprimer deux choses simultanées. Allez, numéro 5. Badigeonner le dessus de jaune d'œuf et enfourner pendant 10 minutes. Badigeonner le dessus de jaune d'œuf et enfourner pendant 10 minutes. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est un verbe qu'on n'utilise pas souvent, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'écrit. Badigeonner, B-A-D-I-G-E-O-N-N-E-R. Ensuite, c'est jaune. Jaune, c'est une couleur. Hein. Ici, vous l'écrivez J-A-U-N-E. Et puis, la dernière chose, c'est enfourner. Encore une fois, on a déjà vu ce verbe, hein, mettre dans le four, enfourner, E-N-F-O-U-R-N-E-R, enfourner. Et ben voilà, si vous avez l'occasion, c'est délicieux.
Il y a quelques calories quand même. Il y a quand même quelques petites calories qui sont dans cette petite recette. Et je m'en excuse. Sinon, faites comme moi des soupes. Allez, on y va. Le film du jour. Le film du jour. Hop, voilà. Pars vite et reviens tard. At one point, I was inviting you to discover Fred Vargas. She's a writer and she's been writing lots of, novels. And in most of the cases, we're talking about des romans policiers. And this is one adaptation of one of her novels. Pars vite et reviens tard. So we will start with this one. Let's do. Please don't watch or don't look at the translation if you really want to work as a dictation. So it's really small now. I will have to do something. Voilà. Très bien. And of course it stops here. Hop là. Voilà. Let's go for it. Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg n'aime pas le printemps. D'étranges signaux se répandent sur les portes des immeubles de Paris et des mots inquiétants, mystérieux, sont lâchés à la criée sur les marchés. Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg n'aime pas le printemps. D'étranges signaux se répandent sur les portes des immeubles de Paris et des mots inquiétants, mystérieux, sont lâchés à la criée sur les marchés. Allez, try to write the missing words. Alors, Chris has to go. Banter too. Oh, what's going on? Well, see you soon, I hope. Merci beaucoup en tout cas. So let's have a look at what you're writing, and then I might give you one more little second. Alors, on regarde. So now let's have a look at the thing. So you can see it right now on your screen. So let's see. The first thing, it was, in fact, the verb aimer, hein, aimer. We conjugate aimer in that case in the third person of the singular. So it's the present. N'aime, A-I-M-E. D'accord. This one was not really tricky. After that, it's signaux. Signaux, it's not really simple. It's the plural form of signal. So remember, the tricky thing when you do this type of exercise, it's the sound gne, 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 gne. Because here, I pronounce signaux, gne, gne, gne. And gne, 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 et, I mean, it's G and N together. So it's the plural form of signal, signal, S-I. G-N-A-L, so this is the singular, un signal,
In our situation, we are looking for the plural form des signaux. S-I-G-N-A-U-X. After that, porte, porte, you will write it P-O-R-T-E-S. Porte, porte, it's the plural form in that case. After that, mot. Mot, you write it M-O-T-S, because one more time, it's the plural form. Then, son, obviously, it's the verb être in that case, so S-O-N-T, masculine, present form. And after that, it was marché, marché. You've got here the plural form, so it's un marché, normally, but then it's les marchés, M-A-R-C-H. E, accent aigu, S in the end, because it's the plural form. Le commissaire Jean Adamsberg n'aime pas le printemps. D'étranges signaux se répandent sur les portes des immeubles de Paris et des mots inquiétants, mystérieux, sont lâchés à la criée sur les marchés. I really invite you to watch this movie if you can. Especially Régis Varnier is a really great director. He's been making Indochine, for instance. I mean, he's been doing some really, really great movies. So if you want, pars vite et reviens tard. Allez, on va changer un petit peu. On a beaucoup, beaucoup parlé de femmes. À chaque fois que je présentais un personnage, en général, c'était une femme. Eh bien, nous allons changer un petit peu pour varier les plaisirs. Et nous avons à voir aujourd'hui l'homme du jour. Et l'homme du jour, eh bien, ça n'est pas quelqu'un qui est vraiment d'actualité. C'est Louis de Funès. Louis de Funès, je ne sais pas si vous le connaissez, eh bien, ce sera l'occasion de le découvrir ensemble. Louis de Funès, comme d'habitude, on va le présenter en trois points. Je vais lire le premier point, vous allez écrire les mots qui manquent. On y va. Louis de Funès est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Je répète, Louis de Funès est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Écrivez. Alors, c'est Ice Cube qui est la première, mais malheureusement, Ice Cube, parfois, la précipitation nous fait faire des erreurs. Ice Cube, malheureusement, regardez, ça n'est pas 1940, mais c'est 1914. Alors, c'est pas très grave. Bombville Lover a fait un petit peu la même erreur. Julia, la même erreur. Sandra Walsh, la même erreur. Alors, attention, hein. 4, 0, c'est 40. 1, 4, c'est 14. D'accord ? Et donc, ici, pour Louis de Funès, eh bien, c'était 1914. 1914, après, c'était 27. Là, il n'y a pas de problème. Et ensuite, c'était 1983. D'accord ? 1983. Allez, on continue avec la deuxième chose. Il a joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Il a joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié
du XXe siècle. Allez-y. Ice Cubes, ça c'est de la provocation. Alors ça c'est de la provocation, Ice Cubes, parce que là c'est 140, c'est pas 114. Que se passe-t-il, Ice Cubes, avec 40 et 14? Donc ici c'était 140 film. Ensuite, la deuxième chose, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est comique. Comme comique est bien connecté à acteur, il doit être au pluriel avec un S. Et puis après, c'était seconde. Seconde, oui, c'est très très bien. On prononce g, mais on écrit k. Hein. Seconde, mais en fait, on le prononce seconde. Et seconde doit être au féminin avec un E à la fin. Oui, oui, oui. Bah, Ice Cubes qui rigole, mais bon, non. 40, 14, c'est pas les mêmes. Allez, on continue avec le numéro 3. Regardez le numéro 3, même chose, je vais lire deux fois. Très peu récompensé, il a quand même reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980. Très peu récompensé, il a quand même reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980. Alors, Gampat, I want to learn French, sir. Tomorrow, Gampat, at the same time, it will be in English. D'accord? This time, it's only in French, so it's more, it's for advanced students or people who want to learn French. D'accord? Alors, that's the reason why I only speak in French for this lesson. Allez, on regarde ensemble. Pour l'instant, c'est bien. Récompenser. Idéalement, si vous avez les accents sur le premier et sur le dernier, accent aigu. Ensuite, c'était reçu. Reçu, nous sommes d'accord que c'est le verbe recevoir. Recevoir au passé composé avec avoir. Il a reçu, participe passé. Donc, il a reçu, R-E-C-C-D-I-U. La C-D-I est très importante parce que c'est aussi dans mon nom de famille, le François. Le François. Carrière, substantif. En général, ça n'est pas problématique. Attention, Hillary, regardez comment on l'écrit. C-A-R-R-I-E, accent grave, R-E. D'accord? Allez, on y va. Gampatlal, please, don't try too much. D'accord? We're doing some exercises right now, and it's only in French. So tomorrow you can come, and then after that we can see. And I'm not really giving any personal lessons. Sorry. Allez, on y va ensemble. Trois choses, vous allez les lire avec moi, s'il vous plaît. Première chose, Louis de Funès est un acteur français né le 31 juillet 1914 à Courbevoie est mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Deuxième chose, il a joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Troisième chose, très peu récompensé, il a quand même reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980.
Et ben voilà, si vous avez la possibilité de regarder des films de Louis de Funès, ce sont des films, bon, assez drôles, mais surtout assez clairs, assez faciles à comprendre. Donc, je vous invite à les regarder. Et ça fait partie du patrimoine cinématographique français. Alors, le coin à visiter. Ice Cube, Skiddy et toi, Vincent ? Oui, moi, la moto, avec grand plaisir. Le coin à visiter. Le coin à visiter, regardez ça. Ok. Air, I will have to block you. I'm really sorry about that, but I will definitely have to block you. Voilà, I'm sorry. Merci beaucoup, Air. Allez, on y va. Et le coin à visiter, eh bien, c'est Tahiti. Tahiti, endroit formidable. Regardez, regardez. On a envie d'y aller. On a envie de passer du temps dessus. Omar qui dit non, pas la trompette. Je suis désolé pour la trompette, c'est comme ça. Découvrons Tahiti en quelques phrases, si vous le voulez bien. Commençons avec la première chose. Tahiti est une île de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer, située dans le sud de l'océan Pacifique. Tahiti est une île de la Polynésie française, collectivité d'outre-mer, située dans le sud de l'océan Pacifique. Allez-y. Alors, regardons ensemble. Nous étions à la recherche de trois choses, comme d'habitude. La première chose, eh bien, c'est le mot « île », qui est un mot féminin. « Île », vous l'écrivez « i » accent circonflexe « l-e ». Ensuite, « Polynésie ». « Polynésie », ici, on doit l'écrire avec une majuscule, tout simplement parce que eh bien, c'est un endroit et c'est un nom propre. « P », donc majuscule « O-L-Y ». N-E, accent aigu, si vous avez l'accent aigu sur votre clavier, S-I-E. Et la dernière chose, c'est situé. Situé doit être au féminin, puisque nous parlons de la Polynésie. La Polynésie est située, située au féminin, S-I-T-U-E, accent aigu, E. D'accord ? Allez, on continue avec la deuxième chose concernant, eh bien, Tahiti. Cette île haute et montagneuse d'origine volcanique est entourée d'un récif de corail. Cette île haute et montagneuse d'origine volcanique est entourée d'un récif de corail. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent.
Alors, je regarde. Pour l'instant, c'est très, très bien ce que vous avez écrit. Donc, la première chose, alors, montagneuse, c'est un adjectif ici. Hein. Il est au féminin, puisqu'il est directement lié à il. Il est un mot féminin. Donc, notre adjectif montagneux, E-U-X, doit être au féminin, montagneuse, E-U-S-E. Et donc, vous écrivez cet adjectif M-O-N-T-A-G-N-E-U-S-E. Ensuite, volcanique, encore une fois, donc ici ça va être le masculin ou le féminin, ce sera la même chose, mais volcanique, V-O-L-C-A-N-I-Q-U-E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est récif. Récif, c'est un mot, c'est un substantif qui est masculin. Un récif, vous l'écrivez R-E, accent aigu, C-I. F. Un récif. Allez, on continue avec la troisième chose concernant Tahiti. Avec 1042 km² et 192 760 habitants en 2007, Tahiti est à la fois la plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie française. Avec 1042 km² et 192 760 habitants en 2017, Tahiti est à la fois la plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie française. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'est habitant. Habitant doit être, bien sûr, au pluriel. H-A-B-I-T-A-N-T-S. Alors ici, c'est le masculin pluriel, puisqu'on suppose qu'il y a des hommes et des femmes. Et vous connaissez la règle grammaticale. S'il y a des hommes et des femmes, ce sera masculin pluriel. Ensuite, grande. Grande qui, là, bien sûr, encore une fois, doit être au féminin, puisque nous parlons de Tahiti. Tahiti, c'est une île, donc on doit mettre le féminin. G-R-A-N-D-E. D'accord. Et puis la dernière chose, c'est peuplé. Même chose ici, on utilise le féminin puisque nous parlons de Tahiti, l'île. C'est une île et donc elle est peuplée au féminin. P-E-U-P-L-E, accent aigu, E. Voilà, on continue avec bien le quatrième point concernant Tahiti. L'île concentre l'essentiel des activités économiques de l'archipel polynésien. L'île concentre l'essentiel des activités économiques de l'archipel polynésien. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent.
Allez, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est le verbe concentré. Le verbe concentré, verbe régulier du premier groupe, qu'on conjugue ici à la troisième personne du singulier. Concentre, C-O-N-C-E-N-T-R-E. Ensuite, économique. Économique, c'est un adjectif. L'adjectif doit être au pluriel, puisqu'il est connecté directement à activité. Activité, pour votre information, c'est un mot qui est féminin. Une activité. Ici, c'est le pluriel des activités. Mais notre adjectif économique sera de toute façon de la même forme au masculin ou au féminin. Donc ici, c'est le féminin pluriel, mais c'est la même forme que le masculin pluriel. E accent aigu, C-O-N-O-M-I-Q-U-E-S. Et puis, polynésien. Polynésien, ici, c'est l'adjectif qui est au masculin, puisque archipel, c'est masculin. Polynésien, vous l'écrivez P-O-L-Y-N-E accent aigu S-I-E-N. Polynésien. Allez, on continue avec la cinquième chose concernant l'île de Tahiti. La ville de Papeete, située sur la côte nord-ouest de l'île, est la capitale de la Polynésie française et en abrite toutes les institutions politiques. La ville de Papeete, située sur la côte nord-ouest de l'île, est la capitale de la Polynésie française et en abrite toutes les institutions politiques. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, là encore, on est à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est la côte. La côte, vous l'écrivez, c'est O, accent circonflexe, T-E. Ensuite, c'est un autre substantif et c'est capitale. Capitale, c'est féminin, la capitale. Et vous l'écrivez, c'est A-P-I-T-A-L-E. Et finalement, politique, encore une fois, politique, c'est un adjectif. Ici, ça doit être au féminin, mais c'est la même forme qu'au masculin, c'est-à-dire P-O-L-I-T-I-Q-U-E, singulier, et bien sûr, vous mettez le pluriel avec le S. Les institutions politiques, P-O-L-I-T-I-Q-U-E-S. Sixième chose concernant cette île, le tourisme contribue fortement à l'économie de l'île, d'autant que Tahiti abrite le seul aéroport international de la Polynésie française. Le tourisme contribue fortement à l'économie de l'île, d'autant que Tahiti abrite le seul aéroport international de la Polynésie française. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît.
Allez, on regarde ensemble trois choses. Hein. Comme d'habitude, la première chose, c'est tourisme. Alors ça, normalement, c'est pas un problème. Vous l'écrivez bien. C'est masculin. Le tourisme, T-O-U-R-I-S-M-E. Le tourisme. Ensuite, eh bien, c'est le verbe abriter, verbe du premier groupe. Et ici, on le conjugue, bien sûr, à la troisième personne du singulier. Abrite, A-B-R-I-T-E. Et puis aéroport qui est un substantif, c'est masculin et donc un aéroport, vous l'écrivez A E accent aigu R O P O R T, un aéroport. Allez, je crois que oui, c'est la dernière chose concernant Tahiti. Le français est la langue officielle, la langue vernaculaire est le tahitien. Le français est la langue officielle, la langue vernaculaire est le tahitien. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, cherchons les trois choses. Les trois choses. La première chose, c'est français. On ne met pas de majuscules parce que c'est la langue. Le français, c'est la langue et donc tout en minuscules. Ça, c'est clair. F-R-A-N-C-C-D-I-A-I-S. Ensuite, officiel doit être, c'est un adjectif, il doit être au féminin puisqu'il est connecté à langue. La langue officielle, vous allez mettre L-L-E à la fin. Parce que c'est féminin. O-F-F-I-C-I-E-L-L-E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est la langue aussi, et c'est tahitien, donc minuscule aussi. On ne parle pas des personnes, on parle de la langue T-A-H-I-T-I-E-N. Et voilà, voilà, vous en savez un petit peu plus sur Tahiti. Et maintenant, je dois dire que... Alors, c'est le quiz de Julia. Julia a envoyé trois photos. So, Julia has been sending three pictures. And so, she thought that, oh, 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 I will make a quiz. So, she wants to quiz you. She wants to quiz us. And so, the quiz is quite simple. We'll have three pictures, d'accord? And we have to find for each of these pictures, in fact, the city. And it should be a French-speaking city. So, quelle est cette ville francophone? And so, Julia will look at the thing, and I hope that at one point she will say oui ou non, or then she will give us the answer. So, let's try to see. So, what is this city, to your point of view? What city is it? But it must be a French-speaking city. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Yossi is offering Lille. Après ça, est-ce que les autres cherchent? Ice Cube is saying, oh là là, it's a city, oh là là. The famous city, oh là là. Cheryline qui dit Bruxelles, Dessarlica, Lyon, Gordon qui dit je ne sais pas, Victoria Jacques qui dit Bruxelles, Cheryline dit à Bruxelles, version corrigée, version francophone, merci. Yessero dit je n'ai aucune idée.
Eh bien, voilà. Est-ce que les autres ? Véronica dit Bruxelles. Vouslat, je n'ai aucune idée. Sophia X, aucune idée. Stardust, je ne sais pas. Ice Cubes qui... Ah, so it's the second option. The first option of Ice Cubes, it was Olala City. And the second one is aucune idée City. Sonic, Bruxelles, peut-être. Bickert, oups. Aucune idée. Omar qui dit « Je ne sais pas ». Fiona Adams nous dit « Aucune idée ». Cosmina qui nous dit « Saint-Pétersbourg ah, ». They will be happy there. They will be happy. French speaking, c'était maybe. Brainwash nous dit Bruxelles. Yann Arte, je ne sais pas. Yossi, Nantes. Ensuite, quelqu'un qui est un petit peu mal poli, et ça n'est pas bien. Alors, well, I guess I will have to block you a bit, because I think that if you start to be rude, sorry about that. Hop là, au revoir. Julia qui nous dit, alors, ben oui, il y a deux versions, aucune idée et Bruxelles. D'accord. Stella qui nous disait Montpellier. Ben, je ne sais pas. Alors, Julia nous dit, Julia, est-ce que c'est la version finale? Julia, c'est Bruxelles. Vous validez ça? Oui, je sais, Cosminac, c'est une ville francophone, mais... C'est un petit peu délicat comme sujet actuellement politiquement. Dessarlika qui dit « Est-ce que c'est une grande ville ?» Alors, Julia, est-ce que vous confirmez que la ville, c'était Bruxelles ? Alors, deuxième ville, en supposant que Julia aura déjà confirmé, nous espérons qu'elle confirme. Alors, la deuxième ville, hein, c'est ce que Julia nous dit, c'est une ville francophone. Essayez de trouver quelle est cette ville. Donc, Julia confirme que la photo précédente, c'était Bruxelles il y a 2 ans quand il y avait le Tour de France. Très bien. Et Victoria Jacques nous dit « J'aime Bruxelles, j'ai tellement appris sur leur histoire ». Alors, Gordon is offering Calais as a city for this picture. Why not? Victoria Jacques, Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mercurial Man, Abidjan, en Afrique, pourquoi pas. Bickert, Bordeaux, ensuite. Yessero qui nous dit « Genève, je reconnais les falaises ». Yossi qui nous dit « Bruges ». Ice Cubes qui nous dit « Je ne sais pas, sans l'atonium ». Ah oui, oui. Yann Arte, le Luxembourg. Cassandra qui nous dit « Montréal ». Vouslat qui nous dit « Aucune idée. Dessarlika qui propose Saint-Étienne. Omar qui nous propose Colmar. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions qui arrivent ou est-ce que c'est tout? Sophia X qui dit « Je pense que c'est une ville africaine ». Ah, propos 5, une ville en Bretagne. On a des versions très, très différentes. C'est intéressant. My home, my universe, cool. Non, it's not a city. You need to try to find a city. Véronica, je ne sais pas. Sophia X qui nous dit, mais non, Montréal, voyons. Alors, je ne sais pas. Cosmina qui nous dit, Nantes. Une sacrée chanson de Barbara Nantes. Une belle chanson. Denora qui nous dit une petite ville. Une petite ville nous dit... Ice Cubes nous dit peut-être une ville d'Italie aussi. Eh oui, toutes les villes se ressemblent finalement. Fiona Adams, peut-être Nantes. Cheryline, aucune idée apparemment. Aucune idée, Cheryline.
Elle est muette. Alors, bah écoutez, maintenant, nous attendons la réponse de Julia. Allez, on attaque la troisième. Julia qui nous dit, Yessero a raison, c'est Genève, le quartier avec une très bonne fondue. Ouais. I remember this time in Switzerland, they were fighting because they... I mean, never say that you're French and that you like French cheese in Geneva because they will be offended. So they have the best cheese in the world. Now I know exactly how to do with Swiss people. Allez, troisième, quelle est cette ville francophone? Quelle est cette ville francophone? So try to offer a city, and then after that, Julia will tell us whether it's true or not. On y va. I like the sentence from Brainwash. C'est une ville avec des maisons comme toutes les villes. C'est difficile à deviner. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Véronica qui nous dit le Luxembourg, ou plutôt Luxembourg, la ville. Victoria Jacques, Grenoble ou Orléans. Yessero qui sourit. Yossi qui dit Andorre. Desarlika qui dit Monaco. Alors, Bickert qui nous dit Lyon. Alors, Gordon continue et qui nous dit Paris. Yessero qui dit il y a beaucoup de brouillard. Je devine Monaco. Desarlika qui nous dit Lyon. Omar qui dit rien à dire. Rien à dire, nous dit Omar. Vouslat qui dit je n'ai aucune idée. Stardust qui nous dit Nice, peut-être. Yann Arte qui nous dit UFO. En français, in French, we write it OVNI, O-V-N-I, it's the same. Objet volant non identifié. Denora nous dit Perpignan. Alors ça, c'est intéressant. Bickert, peut-être Marseille. Propos 5, Aix-en-Provence. Cheryline qui dit peut-être Besançon. Aucune idée. Ice Cube qui dit j'ai besoin de plus d'une photo avec des bâtiments connus pour deviner. Et Gloria qui nous dit le paradis. Alors, nous attendons la réponse de Julia. Qu'est-ce que c'est que cette ville avec le brouillard? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Desarlika qui nous dit peut-être Strasbourg. Alors, we've been seeing le français du Québec, and then we'll have an exercise a bit later if we have the time today. But then I thought it might be interesting to start to discover, in fact, le français de Marseille. Le français de Marseille, and we'll see that together. So we'll start with the first one. Exactly the same type of exercise. I told you that today you will have to work with your ears, and that's the case. So listen to the sentence and try to find the missing
words. So this is Marseille, and we've got an accent, obviously. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Ali, try to write the words. Liliana is telling us it's too fast. Yes, it is too fast. It is extremely fast. But that's the point, Liliana. You will see that. And this is the reason why we need to be systematic. We will do it several times and then you will get used to the pace and to the accent. This is the main point. And don't worry. It's normal if it's difficult. Alors, let's have a look at the things that were missing. The first one was quand. And we'll see that it can be a bit tricky because when it goes to the nasal, well, you will see that I'm not really pronouncing that like he's pronouncing. He's coming from the south and I'm coming from les Pays de la Loire. So it means that it will be slightly different. So let's have a, let's listen to it one more time. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Alors, you can hear that, in fact, as I told you for the nasal, and we can take, in fact, quand, which I pronounce, everything goes in the nose, in fact, quand, and then vraiment would be the second example that I could take in this sentence. I will pronounce the vraiment en, the nasal is going in my nose, obviously, and you don't hear any N. Vraiment. No N. Quand. No N at all. So now compare it to his pronunciation. So one more time. Quand for me. Vraiment. And let's listen to him. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Alors, he's got accent too, yeah. Accent is another one. So you can hear that it goes in the nose, but then in fact, you've got the N. The N is slightly pronounced. So it's not quand, but it's not quand, because I can't make the accents. I'm sorry about that. But you can feel the N. And this is the way it will be in the area of Marseille. I'm not talking about the whole south of France because we'll see that we've got some differences and we will work on that. It's not the same accent if you go in another part of the south. This is from Marseille, and so let's listen to that one more time. Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Quand je suis arrivé à Paris, vraiment, quoi, je pensais pas avoir un accent comme ça, quoi. Voilà. For the pace, it's, well, a bit fast, in fact, but the only thing that you need to get used to first will be the nasal in that case, because you can see that quand was there with pronunciation of the N, vraiment was there with the pronunciation of the N, pensais to, pensais, accent, it was like this N, but I'm not really good with the accent, so I'm sticking to my way of pronouncing French. Allez, on y va. Let's have a look at numéro 2. I'm sorry if you suffer, but this is the best way, you know, to get ready, because otherwise you can be like, oh, really? This is the way they talk? Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais.
Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Allez. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Alors, je regarde, I can see that you are extremely brave. Ice Cube, she's saying, oh là là, vraiment? Well, he's got an accent, and this is, even if in most of the cases, and you will notice that when you go in these places where the accent used to be extremely strong, you can see that for the younger generation, in fact, the accent tends to disappear. So it's not as strong as it used to be, well, for the previous generations, but still it's an accent that still exists, so it's still there. So let's listen to him and let's see exactly how it goes. So now you can see on your screen the way it is written, and let's try to get used to the way he pronounces it. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. So you can see that in that case, one more time, this nasal thing, the commencer, so for me, I would go, everything would be in the nose, comment, moment, commencer. For him, you've got this N that you can feel, in fact, so it's nasal plus the N. The other one is possible. As you can see, he tends to emphasize on the final E. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. Possible. So this is quite important in that case. Well, it doesn't go for all the words, obviously, but then it's something that will differ, and he can make you can feel the possible bleu. He goes there. So one more time. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. There is also one thing, so the quand, as you can see, the final D is somehow pronounced. There are some letters that normally we don't pronounce, in fact, in French normally, but then they will pronounce it, like I've got some friends that are coming from there, and then instead of saying moins, less, M-O-I-N-S, they pronounce the final S, moins. Tu en as plus ou moins? So this is the way they will pronounce it, which is not the case normally in well, classic French. So in that case, quand, as you can hear, I mean, he's pronouncing the final D. Et c'est quand j'ai commencé à parler qu'on m'a dit, oh là là, ça va pas être possible. Ouais. And the funny thing is that he's pronouncing it even like a t, quand. So it's something that you will notice if you go in this beautiful area. Numéro 3. Sorry, I make you suffer for that, but it's still a good exercise. Allez, get ready. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Allez-y. Alors, Cherilyn, I must admit this pronunciation is closer to my colleagues. Yeah, because you mentioned that they were coming from the south, because they were using this interesting punctuation word that they've got in the south, starting with a P. I remember this discussion. But are they coming? They're coming from the area of Marseille, or I mean, I don't really want to ask too much, but it would be interesting to know where they're coming from, because it differs quite well, not much, but it differs from one area to another.
let's have a look at the thing. So I can see that you're brave enough to try to put some things, and it's good. Don't be afraid to make some mistakes, especially for this one, because this one is really difficult. It's clear. I just wanted to check if that was okay with you. But still, I think it's important to work on the accents. So let's have a look now at your screen. Let's listen to him one more time and try to catch the words and the pronunciation and the pace. Roman is saying that it's going fast. Yes, it is going fast, but it's okay. It's just a question of getting used to the pace, and after that, you will see that you will understand it. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. So you can see that, beside in that case, I think that beside really the nasal, I mean, there is no big difference between me and him or him and me. So, et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, c'était pas juste pour déconner. So be careful with this last thing, to déconner, like extremely, extremely informal. Don't use that if it's a formal context. But this is also the thing, I mean, they're a bit more relaxed with the vocabulary, as we saw. In the South, this is the beauty about it. They are more relaxed. But still, and this is one big point. I mean, we tend to think that, or we tend to make fun, not me, but I mean, the cliches, it's to make fun of people from Marseille taking their time and things like that. But I mean, they're speaking really, really fast. So they're not that, you know, slow in a way. Let's listen to that one more time. Look. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse quand même, quoi. C'était pas juste pour déconner. Et j'ai vu qu'il attendait la réponse. Allez, merci beaucoup. Let's continue. Numéro 4. Numéro 4. Well, in that case, you've got to write the full sentence. Go for it. Je savais pas quoi lui répondre. 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 Allez-y. Alors, cher Eline, my colleagues are from Toulouse, Bordeaux, Montpellier. Well, you know what? Three different ways of talking. So it's the accent of the South, but really they've got some really different ways of talking in Toulouse, Bordeaux, and Montpellier. Alors, voilà, c'était ça la phrase. So that was the sentence. Hein. Je savais pas quoi lui répondre. Hein. So one more time. Regarding the negative form, well, it's not a surprise. We've been seeing that quite many times. He's been dropping the first N. So now let's focus on the accent, on the way he will pronounce. Je savais pas quoi lui répondre. 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 So one more time, you can see probably now, because we've been seeing three or five different things, sorry. You've got the nasal. So the nasal, as we saw, is pronouncing the N. And then, well, I had to cut because it was, starting a new sentence after. So I had to cut. But the répondre, you can see that somehow is going more deeply on the E that I would do. I would say répondre. And finish with a r, r. But for him, it goes in the répondre. Hein? So normally it should be a bit stronger. Je savais pas quoi lui répondre. Let's listen to him. Je savais pas quoi lui répondre. Je savais pas quoi lui répondre. Je savais pas quoi lui répondre. Alors, très bien. Denise, Francis Cabrel, Toulouse, non, c'est Astafort. C'est pas très, très. C'est le sud-ouest. C'est le
Le coin des pruneaux. Mais c'est un petit peu, c'est un accent. J'ai un ami qui vient de cette région-là, il vous dirait que non, c'est pas le même accent que celui de Toulouse. Non, non, non. Allez, numéro 5, let's try to see what he says one more time, and you will become specialist in the with this beautiful accent of Marseille. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. Allez-y. Alors, let's have a look at what he says. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, so this, eh ben, it stands for eh bien, hein, and in most of the cases, we'll pronounce eh ben, d'un coup, in France, it's extremely popular nowadays to use this du coup. People use the du coup all the time, du coup. It's incredible. Ça te positionne. So let's listen to him because he goes quite fast and but I hope that you're getting used little by little. So let's take the time to look at the thing and listen to it one more time. I will make it roll a bit. C'est vrai que cet accent avait d'un coup ça te positionne. C'est vrai que cet accent avait d'un coup ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. Alors, so we saw that there was one thing that we've been mentioning since the beginning. This nasal concept, as you can see, clearly is pronouncing the N. So it goes in the nose, but then the N is there all the time. The second thing that you can hear is, and it's quite common in the south of France, in fact, that would be common also in Toulouse, Montpellier, it would be this area. Bordeaux, I'm not really sure about that. But it means that the O is not that deep as my O. My O will be ro, rose. So for me, it would be rose, but then for him, it would be rose. So my rose is for him rose. And if you listen to the position, position, in fact, this position is slightly different. So let's listen to him, and I hope you will hear the difference. Position. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. Alors, I don't know if you can hear. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. Voilà. And finally, same thing here, position. I would finish with the n, n, and then he finishes with the positionne. Ne, ne, ne. So this final E is extremely, extremely strong. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. C'est vrai que cet accent, eh ben, d'un coup, ça te positionne. Merci beaucoup.